Et salut tout le monde, c'est Eli, on se retrouve aujourd'hui pour cette première partie. Alors bon, si vous voulez, je vous laisse l'intro pendant que je parle. Non, je précise déjà que c'est pas parce que je fais ce let's play que j'arrête les autres, hein. Je continue Ruby Destiny. D'ailleurs, je sais pas quand on sortira ce premier épisode de Pokémon Victory Hot Victory Fire, mais nous verrons bien. Alors la particularité de ce let's play, c'est la première fois que je vais faire ce genre de let's play, même chez moi, tout seul, j'ai jamais fait comme ça. On va le faire en monotype, c'est-à-dire que notre équipe n'aura qu'un seul type. Et je vous ai demandé dans une vidéo de voter, je vous ai demandé de voter. Et je dirais pas largement, mais tu t'avances quand même. C'est le feu qui a remporté. Je pensais que ça allait être le feu ou le psy. J'hésitais entre les deux, justement. Mais c'est le feu qui a gagné. Derrière, il y avait au moment où j'ai fait le comptage, c'était le psy. Après l'eau, après l'électricité et plante. Peut-être qu'il y a des commentaires de dernière minute qui auront changé le vote, mais on verra. Hein. Voilà, non, mais de toute façon, le feu reste premier, reste, à mon avis, même s'il y a des votes en plus, restera premier, il a un peu d'avance quand même. Voilà. Donc Pokémon Victory Fire, on se retrouve sur cet écran d'accueil que vous avez déjà vu quand on avait fait la vidéo découverte. Victini. Ah là là. Bon, on va commencer tout de suite. On va mettre les dialogues en rapide. C'est toujours ça, hein, même si on accélère un peu. Voilà. Et la fenêtre, on va changer le truc de le son mono stéréo, j'ai jamais compris la différence. Enfin, il y a sûrement une différence, j'en suis sûr, mais laquelle, j'en sais rien. Il n'y a pas un truc rouge? Non, c'est pas rouge, c'est rose. Ouais, tu parles. Allez, on met ça. Et je pense que je voulais qu'il y ait un truc qui représente le feu. Mais il n'y a pas. Ah, faudrait jouer, c'est un logiciel, genre on peut introduire des nouvelles barres autour des dialogues. Ah, oh, c'est rouge, trop bien. Non, c'est pas moi qui ai mis rouge pourtant. Ah, je ne me rappelais pas que c'était rouge ici. Bienvenue dans le monde des Pokémon non Ivan. Donc il veut dire la même chose que les autres professeurs, sauf qu'il s'appelle Ivan lui, donc. C'est ça qui change. Il s'appelle pas Professeur Chen ou autre. Professeur Seiko. Ou Orme. Voilà. Je ne trouvais plus mes mots. Alors garçon, fille. Je me rappelle que la vidéo découverte, j'avais pris la fille. Donc cette fois, on va prendre le garçon pour voir à quoi il ressemble. Bon, la fille, je me rappelle même pas à quoi elle ressemble. Alors, comment je vais appeler le personnage? Ah, je sais pas. Ah, j'ai envie de l'appeler Red. Non, je l'ai pas déjà appelé Red dans Pokémon Ruby Destiny. Je sais même plus comment il s'appelle dans Ruby Destiny, c'est dingue. Ah, je vais l'appeler Didi. Didi. Non, Didi, en fait, c'est le surnom que me donne ma meilleure amie. Voilà, c'est pour clin d'œil. Didi. Ah là là. Si tu regardes cette vidéo, je pense pas, mais. Je te fais une dédicace, on va dire. Je me prends pour une star, je suis une star. Je signe des autographes maintenant. Je suis vraiment n'importe quoi. Bref, donc il dit le même truc que dame. Voilà, donc on va le retrouver dans son labo. Sûrement dans cet épisode, on va faire la même chose que lors de la vidéo découverte. On va peut-être essayer d'aller un peu plus loin, je sais pas. Une précision aussi, c'est que. Je sais plus où il faut aller, je crois qu'il faut aller en haut. Précision, c'est que pour l'instant, on pourra peut-être pas avoir de Pokémon Feu tout de suite dans cet épisode. Je me rappelle qu'on a un Pokémon Dragon qui est. C'était. Gryphinote qu'on a vu, je crois. Je sais plus. Bref, c'est un Pokémon Dragon en tout cas qu'on va voir. Et je sais pas, dans le premier épisode, enfin l'épisode découverte, on n'avait pas eu de Pokéball, on n'avait pas eu le temps d'attraper d'autres Pokémon. Donc voilà, peut-être qu'il n'y aura pas tout de suite de Pokémon Feu, mais là je peux pas aller contre le scénario, je n'ai pas trafiqué non plus le starter de départ. Encore c'était même pas un starter de départ. Ouais. On va voir, on va voir. Donc c'est Gigi, c'est ça? Gigi, c'est ça? Comment vous connaissez mon nom? Qui es-tu? Qui êtes-vous? Tu le sauras bien assez tôt. D'accord. On se réveille dans la maison. Quoi? Un rêve? C'est tellement étrange. Peu importe, je dois y aller maintenant. Attends, je dois mettre l'horloge. D'accord. C'est quelle heure? D'accord, c'est 10 h dans le jeu. Ben, on va laisser 10 h. Parfait. Oh non! Ah, j'ai cru qu'il y ait quelqu'un qui arrivait. Non, moi, je vais reprendre la potion qu'il y a là-dedans. Normalement, ouais, une potion. Très bien. Donc, on va rejoindre notre mère qui est sûrement en train de rien faire.
Il y a un livre? Non, il n'y a pas de livre. Regarde la télé? Non, la télé est éteinte. Tu vois, Gigi, ce n'est pas joli ici, n'est-ce pas? C'est tout? Bon, d'accord. C'est pas intéressante. Ah, voilà, elle ressemble à ça, le personnage féminin. Non, je sais plus. Si, elle ressemble à ça. Non, elle avait les cheveux rouges. Je sais plus. Oh, si, je crois qu'elle avait les cheveux rouges. Non, c'est... Quoique, c'est peut-être... Je confonds peut-être avec un autre jeu. Non, je le confonds avec un objet, le personnage aux cheveux rouges. Mais sinon, vous, allez voir la vidéo découverte. Hein. Salut, Gigi. J'ai rencontré... Je viens juste de voir le professeur Yvan. Il m'a donné un Pokémon et il m'a dit que si je te voyais, je devrais te donner ça. Un Axew. C'est quoi un Axew? Ah, oh, c'est un coupe-note. C'était pas un coupe-note qu'on avait eu. Je suis quasiment sûr que c'est un Grignote. Ah, peut-être que ça change selon... Si on a un garçon ou une fille. Un coupe-note. Un coupe-note. Un coupe-note. Comment je pourrais t'appeler? J'ai envie de leur donner des noms quand même. Pokémon Dragon. De toute façon, je vais pas te garder au pire, non. Je vais pas te garder au pire, donc non, en fait, on s'en fiche. Eh bah, je peux pas le garder, hein. Je dois avoir des Pokémon Feu, et même quand il évoluera, il aura plus de Pokémon Feu, donc. Non, je peux pas. Je peux pas le garder. Moi, je... Ça servira à rien de le renommer. Alors, je crois qu'il fallait aller par là. Oh, tiens, est-ce qu'on peut acheter des trucs? Oh, casse-toi le gros. Oh, ah, voilà. Ah, on peut pas. On peut pas. Il y avait un gars. Alors, lui, je crois que c'est à lui qu'il faut parler. Ah, d'accord, on lui a volé cette Pokémon. Qu'est-ce que je devrais faire? D'accord. Pour retrouver Uranium. Quel drôle de nom, tout de même. C'est là le labo du professeur Yvan? On va aller là, alors. Ah, mais où est-ce qu'il faut aller pour le trouver, Yvan? Pas Yvan, mais Uranium. Oh là là! Oh, de toute façon, en même temps, on découvre. Hein. Bon, on va ressortir. Je crois qu'il faut aller au nord de la ville. Ou alors chez lui. Ouais, faut peut-être aller chez lui. Ah, par contre, il est combien? Il est niveau 5? Ouais. Ouais, j'espère qu'on trouvera vite des Pokémon Feu. J'espère qu'il y en a dans les herbes. J'espère vraiment qu'il y en a. Sinon, il est dans la crotte. Est-ce qu'il faut aller là? Ah, le voilà. Mais il est descendu de sa fenêtre. Qui es-tu? Tu t'es perdu? Ah non. Ah non, tu vas perdre. Oh, c'est bien fait ça. C'était joli. J'ai l'animation comme ça. Ah, c'est fait classe le fond noir avec orange autour. Ah, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Ça peut être niveau 2. D'accord, nous on a quoi comme attaque? On a griffe. Bah, on va faire griffe. On a que ça à faire tout ça. Et lui, il nous enlève 18. Au pire, on a une potion. Donc, c'est pas très grave s'il nous enlève des PV. Je préfère qu'il me fasse griffe que jet de sable ou quoi que ce soit d'autre. 39. C'est tout. Oh, c'est pas beaucoup. Ensuite. Un farfuret. Farfuret, bah, griffe encore. Mais oui, mais ça, c'est des Pokémon qu'il a volé au dresseur à qui on a parlé. D'accord. Ah oui, je crois qu'on aura un des. C'est quoi? Provoque? Ah, je peux pas utiliser d'attaques qui font pas de dégâts, genre gros yeux. Ça fait pas de dégâts directs, du coup, je crois que je peux pas utiliser. Avant, je confondais provoque et tourmente. Je comprenais pas. Alors, lui, je sens qu'il va m'embêter. Ah non, je peux pas. Je veux dire, je sens qu'il va m'embêter, je vais faire le gros yeux, mais je peux pas. Ah si, bah j'ai rien compris. Non mais provoque, c'est peut-être que quand il a été mis KO, ça a annulé la provoque. Je ne sais pas. En tout cas, je vais faire juste une fois gros yeux, ça ira très bien. Ah non. Ouh, raté, bim. Tant pis pour toi. Oh, il reste rien. Ils sont marrants les musiques, j'ai l'impression qu'elles ont été un peu remixées. Des fois, il y a des bruits, il y a des notes qui sont un peu plus... un peu plus, je sais pas, différent des autres. Ah là là. Eh ben, niveau ici, c'est très bien. Mais bon, c'est vrai que je m'en fiche un peu de toi parce que je vais pas te garder. Ah, faudrait vraiment qu'on trouve. Ah, au début, les Pokémon sauvages feu qu'on a, c'est. Bah, c'est des quoi, y'a quoi? Caninos? Non, mais faudrait qu'au début, non. Que tu me redonnes que Abo? Ah oui, c'est vrai, on va garder Abo, mais quel. C'est nul. Ah bon non plus, on va pas le garder de toute façon. Oups. Oh, mais tu me bloques? Qu'est-ce que tu fais toi? Alors, où es-tu mon garçon? J'espère que tu vas me donner de l'argent. Parce que ton Pokémon, je sais pas que je m'en fiche, mais...
Oh, tu les as trouvés. Uranium, oui, c'est ça. Ce gamin a volé mes Pokémon. En tout cas, merci beaucoup. Tiens, rends-moi mes Pokémon. Enfin, je reprends mes Pokémon. Can that be true? True, tu veux dire. On dirait que mon abo t'aime beaucoup. Mais pourquoi? Peut-être que c'est parce que tu l'as sauvé. Donc pourquoi ne pas le laisser avec toi? Allez, sois pas timide. Super, on a un abo. Je suis tellement heureux. Maintenant, on va là-dedans. Non? On va pas là-dedans? Attends, on va voir là. Non. Tiens, bah oui, faut aller. Oh, peut-être que. Non, je sais rien en fait. C'est quoi en fait ça? Ouais, c'est le labo du professeur Ivan. D'accord, c'est bien ça. Je me rappelle qu'on était allé au labo du professeur Ivan dans l'épisode Ivan, dans l'épisode découverte. Dans l'épisode découverte, et là, je me souviens plus. Est-ce qu'il faut aller au centre Pokémon? De toute façon, on va le soigner dans tous les cas au centre Pokémon. Ouh, il a été refait le centre Pokémon aussi. Il y a un gars là-bas, avec sa calvitie, je voulais voir ce qu'il me veut. Dans ce qu'il me veut. Ce qu'il nous veut. Enfin, on va voir, on va voir. Peut-être qu'il va nous donner des super bonbons. Un Pokémon feu, pourquoi pas. Non, j'ai mal. Ah d'accord, bon, on peut pas... Ah! On va juste voir la carte de la région, ça peut être intéressant ça. Tyrone, ouais, la région de Tyrone. D'accord. Ouais, je me rappelle dans Ruby Destiny, la carte n'était pas exactement... On pouvait se mettre là, nous afficher une ville. Enfin comment? On pouvait se mettre sur la ville où on était, mais ça nous affichait le nom d'une autre ville. Bref, la carte est un peu pétée dans le Ruby Destiny. Et toujours pétée, parce que le let's play est pas fini, mais... Et voilà. Donc là, on a une bonne carte, et très jolie la région. Les graphismes sont sympas, ils sont différents, vous voyez, les maisons sont un peu différents de les graphismes habituels. Non mais c'est bien, c'est sympathique. Ah d'accord, le professeur Yvan était là. Feu feu feu, vieux professeur, remets-nous le résultat de tes recherches et on te laissera partir. Si tu ne le fais pas, Karls et Belle, nous allons te crocher et t'écraser. Hé hey, Karls, je t'ai déjà dit, ne laisse personne connaître nos noms. Nous sommes des voleurs mystérieux. Oh désolé, j'avais oublié. Cependant, Yvan... Remets-nous tes recherches. Non. Eh, je suis Superman. Bon, voilà, il veut nous défier. Par contre, on les... Oh, bien fait aussi, le signe, comme ça. Et Victory Fire, c'est assez ancien dans ma tête, parce que c'était une des premières vidéos découvertes que j'avais fait. Donc, c'est vrai que je me rappelle pas à 100%. Toi, tu vas servir à faire gros yeux. C'est tout ce que tu vas servir. Oh, non. Ouais bah tant pis, hein. On fait gros yeux, ça annule son bidule. Ça fait sur les deux, non? Parce qu'il m'a pas pour... il m'a pas demandé de viser quelqu'un précisément, donc je pense que ça fait sur les deux. Ok, vas-y. Oh, ça lui enlève que dalle, que dalle. Allez, on va faire wrap sur lui, sur Germignon, comme ça. Pas nous embêter. Bon, il nous embête un peu avec son enregistrement. Bon, au moins il nous enlève pas de PV, mais bon, ça rallonge le combat. Gros yeux, ok. Donc après, on va mettre KO Germignon. Allez, gros yeux, ok. On a compris. Donc ça, ça lui enlève encore des PV. On va vraiment finir avec lui. Et on va faire... Non, pas sur... pas sur Fitness. On va faire sur Machoc... comment, ligotage, comme ça. Il perdra un petit peu de vie. Je dis bien un petit peu, parce que ce sera pas énorme non plus. Mais il perdra un petit peu de vie à chaque tour. C'est toujours ça, hein. Pas cracher dessus comme on lit. Nicotage, très bien. Ah, ça va s'enlève un petit peu quand même. Et ben on va l'attaquer maintenant, les deux en même temps. Ouh, c'est marrant, je pensais que t'aurais une meilleure défense que Germignon. Quoique Germignon, ah si, si, peut-être un Pokémon plus défensif quand même. Bref, voilà. Et ensuite, c'est fini normalement. Très bien. Voilà, donc on s'est débarrassé de la team Mirage. Les méchants du jeu, la team Mirage. Ouais, super, tu montes le cas, tu es trop heureux, t'imagines. Oh. Oh là là. What? What? Ils ont été battus par un bébé? Eh oui. Il y a un bébé. Quoi, 24 Pokédollars, t'es sérieux? Quel radin. Bah, écoutez, je t'ai battu, t'as pas forcément envie de me donner de l'argent, mais un minimum quand même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Belle? Et on dirait que la seule chose que nous pouvons faire est juste fuir. D'accord, bon, ils ont peur de moi, d'un abo et d'un coup de note, ils ont peur. Bien joué, Gigi, tu as battu ces membres, ces mauvais membres de la team Mirage. Viens, mon labo, je devais t'offrir un cadeau. Ah, professeur Ivan, merci beaucoup. Ah non, non, c'est professeur Ivan qui parle.
Merci beaucoup, tu m'as beaucoup aidé, Gigi. S'il y a. Si j'avais dû être seul pour les combattre, ça aurait pris trop de temps. Comme récompense, je te donne un Pokédex. Juste, attends une minute, je vais chercher quelque chose. Pendant ce temps-là, est-ce que tu peux aller t'asseoir et parler avec l'autre dresseur débutant? Qu'est-ce que tu fais là, Uranium? Quoi, Gigi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu attends que Professeur Ivan te donne un Pokédex? Moi aussi. J'ai combattu Professeur Ivan et j'ai complètement perdu. Mais c'est vraiment un homme gentil. Il m'a amené ici et m'a dit qu'il me donnera un Pokédex. Je me demande s'il pourra trouver ses Pokédex. Hey, comment, enfin vous, pourquoi vous étiez en train de parler, vous connaissez? Oui, plus que vous le pensez. Super, prenez ça. Voilà, on a notre Pokédex. Est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'il a modifié un peu le Pokédex? Parce que Pokémon Victory Fire est une version hackée de Emerald, je crois. Du coup, je me demande s'il a modifié ou. Je pense pas, parce que se casser la tête à modifier. Là, je passe les dialogues lentement, comme ça vous pouvez les lire, mais pendant que je parle. Je pense pas qu'il s'est cassé la tête à modifier le Pokédex, c'est vraiment une. Ouais, déjà, c'est dur, et puis ça prend du temps, je pense. Je pense pas, on va toujours vérifier. Ouais. Bon, ça va très bien comme ça en même temps. Alors. On a vu 3. Non, en tout, on a vu 6 Pokémon et 3 qui faisaient partie de la région de Hoenn. D'accord. Les 3, c'est Coupinote. Non, j'en sais rien. Non. Ouais, j'en sais rien. Bien, très bien. Et ben, on va continuer notre aventure. Je sais pas où on va, mais on y va. Il a besoin d'être soigné ou quoi? Oh, ça va. Ça va. Est-ce qu'on rentre chez nous? T'as pas des chaussures de course pour nous, maman? Allez, je veux des chaussures de course pour Noël. Ah bah d'accord, il nous sert de centre Pokémon. Ok, très bien. Tu veux pas servir de boutique aussi? Que j'achète des potions parce que j'en ai qu'une. Non, elle sert pas de boutique. Voilà, c'est chez Uranium. On va aller voir un peu ce qu'ils nous disent. Hé, hey, ton frère, pourquoi c'est un connard? Non, c'est un con, désolé. Ah, j'ai vu ces gens qui ont tué mon frère. Qui ont tué ton frère? Tu parles pas d'Uranium? Non, est-ce que c'est chez lui ici? Si, c'est chez lui, je suis sorti de chez lui. Mais non. Il faisait peur, il portait des lunettes noires. Je ne veux pas dire à mes parents à propos de ça, et ils sont tellement tristes depuis cet accident, que je ne veux pas les blesser encore plus. Hale. Ah non, c'est Hale. Ils ont 3 enfants. Ah, d'accord. D'accord, je vois. 3 enfants, bah, les 2 garçons, Hale, Uranium, et la fille, bah, je sais pas comment elle s'appelle, mais. Hihi, j'ai résolu le mystère. Et j'ai toujours pas de Pokéball, et comment je fais? Non, j'ai pas de Pokéball. Ouais, je me rappelle, on n'avait pas réussi non plus la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme Pokémon? Sunipot. D'accord. Ouais. Ouais, je pourrais pas l'attraper. Bon, bah, on continue, en tout cas, on n'a pas le choix. Est-ce que tu me combats, toi? Non, tu me combats pas. Ok. Et toi, tu me combats, j'imagine, vu comme t'es placé. Je suis cool. Le champion raid de Kanto est toujours comme ça. Non? C'est pas ce que tu me dis? Non? Ah là 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 là, Scoot, McBee. Oh non, j'en veux un. J'en veux un. C'est le mien. Ouh, Flamèche. Dingue. Je me brûle pas parce que ça baisse ton attaque après. Eh, vas-y, Flamèche. Allez. Bien. Toujours griffe, de toute façon, je peux faire que ça. Donc, j'ai pas d'autre attaque. Oh non! Oh non! Oh! C'est dingue ça. Vas-y, retourne-moi Flamèche. Je te mets KO. Et normalement, tu me fais monter niveau 7. Même si je m'en fiche un peu. Voilà, 150 points. Oui, c'est pas rien quand même. C'est pas rien du tout. Ouais, je gagne ça comme stat, ok. Si tu veux. Je ne suis pas cool de tout, je suis juste un campeur, un pauvre faible campeur. Oh, calme-toi. Ton pan en dépression ne te suicide pas. Le pauvre. Il a perdu, je l'ai mis. Il croit que c'est une merde maintenant. Il n'a plus confiance en lui. La confiance en soi, c'est le plus important. Je vais me soigner. Si vous demandez ce que je suis en train de faire, je vais me soigner. Bah, vous avez pu le deviner maintenant parce que je suis déjà soigné maintenant. Super, merci maman. Adieu. C'est pas que j'en ai marre de cette baraque, mais je me taille.
Ah là là, ça donne une bonne image des relations mère-enfant et les enfants qui quittent toujours la maison. Ah là là, là c'est triste. Oh non! Il y a quoi comme Pokémon? Ah non, j'ai une pote. Ah là là, quand est-ce qu'on pourra attraper des Pokémon? Moi je vous le demande. Ah là là. De toute façon, même si à un moment on pourra tout le temps combattre qu'avec un seul Pokémon, ben on le fera tant pis. Je trouve des Pokémon insectes rares, ok. Ah, si j'avais un Pokémon feu, je t'aurais défoncé. Je n'y pas en niveau 7 quand même. Aïe aïe aïe, ça rigole pas. Bon, je suis plus rapide. Oh, c'est tout. Ouh, raté, tant mieux. Parce que si commence à me baisser ma vitesse, ça va m'embêter. Allez, continue. Oula, attendez, je bouge un peu. C'est qui a fait coup critique? C'est lui? Ouais, je pense que c'est lui parce que j'ai 7 PV en moins. Et toi? D'accord. Bah, ok. On va faire pareil, on va faire griffe, 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 griffe. T'aurais mieux fait entraîner plus ton Espico que ton. Je te dis pas, il est plus dangereux, Espico, je te le dis. Tombe pas empoisonné. Au pire, le prochain coup, on met KO, donc c'est pas grave. Ok, c'est Christian. Il est peut-être devenu plus rapide que moi, je sais pas. Ouais. Voilà, même si on est empoisonné, on perdra pas de vie puisqu'on met 3 KO avant. Mais on n'est pas empoisonné donc ça n'a pas lieu d'être dit. Ah, presque. Presque, presque. Mes meilleurs amis sont les Pokémon ou les insectes, je sais pas ce que tu m'as dit. Mince. Encore un dresseur. Un vieux cette fois. Oh, tu as l'air vraiment énergétique. Qu'est-ce que tu dis d'un rapide combat? Ok. Ok mon ami. Oh j'ai une écharpe aussi là. Oh il est bien l'écharpe. Oh il est bien habillé je trouve notre héros. Voilà. Aïe. Ouais toujours 2 PV. Tant qu'il nous enlève pas plus que ça. De toute façon le pied même si nous fait un coup critique. Ok. Oh. Est-ce que si lui baisse vraiment son attaque ça fait une différence? Bah non ça augmente mon attaque. Hé, on va mettre une potion. Allons-y. C'est marrant, j'ai l'impression que ça enlève plus maintenant que je suis brûlé. Alors que normalement, c'est censé baisser l'attaque. Je sais pas si c'est un bug, mais je trouve ça bizarre. Mystère et boule de gomme, comme on dit. Ah oui, coup critique maintenant. Eh ben. On va pas retourner jusqu'à chez nous, parce que je crois qu'on arrive à une ville. Donc on va plutôt aller au centre Pokémon de la ville. On va pas se rallonger le chemin, pour rien. Ah, voilà. Oh non, c'est qui toi? Non! Oh, tu es un mignon, tu es un dresseur, bon, et Gigi. Tu vis après, je suis une ville à vrai. Comment vous savez autant à propos de moi? Ben, je suis plus un policier, je peux savoir tout à propos de tout le monde. Tu veux un combat? Non! Non, merci. Ah, oh, bon sang, moi qui disais, ouais, j'ai le temps. Ouais, t'as vachement le temps. T'as le temps de te prendre une raclée, surtout. Il est au 7 en plus, ouais, t'es sérieux. Niveau 7. Bah on va se débrouiller. Non mais de toute façon, au pire on va devoir refaire le combat, mais oh, quoique. Quoique ce soir on va peut-être y arriver sans. Ouh non, peut-être pas. Ça on l'a combien? Ah c'est tout. Qui sait? Imaginons on y arrive. Hein? Pourquoi pas? 123. Dynavolt ça. Dynavolt. Ah on peut s'en sortir. Au niveau 8 par contre. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Cacao comme j'aime le dire. Ta charge. Allez. Oh non, je pensais que j'allais pouvoir survivre avec un PV, mais non même pas. Bon, Abo, je pense pas que tu vas faire un miracle. L'égouttage. Oh non, il va mettre 20 ans à me le mettre KO, ça continue. Ouais, ah, je veux que j'aille être paralysé, même pas. Allez, charge, ok. Ouh, ça se trouve, j'ai gagné le combat. Regardez. Est-ce qu'il y aura encore un coup, il me met pas KO? Oh, bah, peut-être pas non plus rêvé. Non, pas gagné quand même. Ouais, bon, en plus, je suis paralysé. Ah là là, non, mais c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas l'intention de gagner, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit là. Je me rappelais pas du tout. Je sais pas si on l'avait fait dans l'épisode découverte, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'on rencontre un dresseur comme ça. Ok, donc.
on est soigné et on repart cette fois soigné tout entier et bah avec Coupe-Note qui pourra, qui est pas brûlé aussi. Coupe-Note qui pourra bah, beaucoup mieux se débrouiller. Il y a encore un chenipote. Il y a que des chenipotes par ici. Là, si j'avais voulu faire un monotype insecte, ça aurait pas été compliqué. Attends, toi, je vais faire monter Coupe-Note au niveau 9. Pas sûr que ce soit suffisant, je pense pas, mais. Ouh, j'ai perdu 2 PV quand même. Oh, 15. Ah, ok, je vais pas me casser la tête à les combattre pour avoir 15 d'expérience. C'est du gâchis. Voilà. Oh, pas de Pokémon sauvage, très bien. Ah, il attend en haut, je l'ai pas vu. Ouh là là, mais t'es bien haut, toi. Tu es bien haut, mon ami. Non, Pokémon, non, je vais pas mettre à bout. Ce serait débile. Fuir. Voilà. Donc, cette fois, on va prendre notre revanche et je pense que cette fois, on va gagner. Hein, parce que Pikachu, on sait qu'on le met KO en 2 coups. Après, contre Dynamite, on l'avait pas mis. On lui avait pas enlevé la moitié avec Griff, mais. Mais bon, on aura monté notre niveau quand on aura battu Pikachu. Du coup, je me dis. On aura une meilleure attaque. Et peut-être qu'on pourrait mettre KO en 2 coups. Et le dernier Pokémon, bah, je sais pas du tout qui ça peut être. Non, je sais vraiment pas. Pikachu, ok. C'est bien, c'est le même, non, il a pas changé de Pokémon. Écoutez, je vois pas pourquoi il a changé. Oh non, il me paralyse pas. Ah, c'est bien, il m'a pas paralysé. Oh, ah, mais je suis pas brûlé. C'est vrai que la brûlure, ça monte mon attaque. C'est n'importe quoi. Depuis quand la brûlure monte l'attaque? Dites-moi. Soit je connais plus rien Pokémon, soit j'ai entendu des bêtises, mais j'étais quasiment sûr que la brûlure baisse l'attaque. Peut-être que la paralysie va monter mon attaque aussi s'il me paralyse. Bon bah il me paralysera pas aujourd'hui en tout cas. En tout cas pas Pikachu. Je gagne combien en attaque? 2. D'accord. Je gagne 2 en attaque. Non bah je vais pas mettre à bout. Donc je vais garder ce Pokémon là. Alors, on va faire la même chose. Ah, je suis paralysé, très bien. Est-ce que ça monte mon attaque? Est-ce que ça la monte? Ouais. Pas vraiment, non? Oh non, critique. Comme par hasard. Allez, faut vraiment qu'on réussisse. Allez, mets le KO. Ah! Quelle frustration. Oh non! Oh non! Je vais mettre à beau. J'ai un plan. J'ai un plan démoniaque. Vas-y, fais-moi charge. Ok. Tantôt je fais mes KO déjà. Ouais, non, il est pas démoniaque mon plan. Mais bon. Ah, je suis dégoûté là quand même. Qu'il fasse 2 coups critiques, je suis un peu dégoûté. Ouais, tu montes Néo 5. C'est dingue. Tu gagnes quoi? Non, tu as aucune capacité. Ok. On va laisser à beau et on va faire des gros yeux. Vous y avez pas pensé, vous y aviez pas pensé. Ah, il fait ça en plus. Vas-y, fais ça. Ouais, je te fais gros yeux. Voilà. On va gagner un jeu. J'ai confiance en mes Pokémon. Ah, raté. Dégoûté, hein. Voilà. Ah, si j'avais eu enregistrement, ça aurait été pas mal aussi. Charge. Ah, il met pas KO. Oh non, je suis dégoûté. Ça arrive au pire moment, comme par hasard. Oh. Comme par hasard quand il m'attaque. J'arrive pas à attaquer par derrière. Bon. Et eh ben. On prie. Moi je prie. Allez. Aïe. Ah. Allez. Ah. Ah non. Ça me saoule. Oh non. Non mais déjà ce premier épisode on peut pas avoir Pokémon feu. On perd 2 fois là. C'est un peu chiant. Mais j'ai pas de potion aussi, que j'ai utilisé tout à l'heure. Avec quel gâchis de potion. Oh là là. Ouais. Ben. On va tenter. Ah non, et puis les Pokémon sauvages, la queue des chenipotes. Ah non, ah non, alors, excusez-moi. Excusez-moi. Je me suis trompé. Fire. Ah là 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 là. Quel dommage, quelle dommagité, quelle dommagitude. Non, ça veut rien dire, mais bon. Ensuite, quel Pokémon? Un Chunipote. Ouais, il n'y a pas du tout de Pokémon feu dans le coin, en tout cas. Et j'espère qu'on va se bouger d'avoir ces Pokéballs, bon sang. Même si pour l'instant, on ne nous servirait pas à grand chose, puisqu'on pourrait pas attraper les Pokémon en face, mais. N'empêche. Il n'empêche.
Alors toi, tu vas me laisser gagner maintenant. J'ai rien à faire, je t'appelle Max, t'es un policier du combat, non mais n'importe quoi. Si les policiers ils étaient comme ça aujourd'hui, t'imagines, tu te fais arrêter dans la rue, tu te fais taper dessus. N'importe quoi. Oh là là. Bon. Bon. Griffe, toujours. Ouh, tu me baisses ma défense. Ah ça c'est pas cool. Ah non. Oh non. Déjà ça me gonfle. Je suis dégoûté. Enfin, je suis paralysé. Ah, t'auras pas pu le mettre KO. Allez, réussis juste cette attaque, s'il te plaît. Ouais, bien. Est-ce que je monte de niveau avec ça? Est-ce que je monte au niveau 10? Non. Bon, Dynavolt. Ah non, Dynavolt, j'aurais dû mettre Bidule. Comment il s'appelle déjà? Abo, voilà. Oh. Non, bon, je continue d'attaquer. Hein. Mais il fait que charge, pourquoi tu fais pas d'attaque électrique toi? Oh bien, ça lui enlève la moitié. Bien, bien, bien. Allez, et le KO. Oh, attends. Hé, je suis un malin moi. Ah bon, viens là, c'est toi qui vas le mettre KO. Comme ça, l'autre, ben l'autre, voilà. Ce sera pas KO tout de suite. Allez, charge. Voilà. Très bien, donc ensuite. Ah, je monte niveau 10 en plus, c'est parfait. Et j'apprends Twister. D'accord. Ouh, niveau 6, la classe. Voilà, Voltor. Alors là, on va faire gros yeux. Quoique Twister, je sais pas ce que c'est. Mais on va faire gros yeux quand même. On fera au pire, on fera Griffe, hein, tant pis. Voilà, un petit gros yeux. Bon, je suis désolé en tout cas pour cet épisode, c'est le début, on n'a pas encore pu vraiment. Enfin, le fait que ce soit un monotype dans ce jeu, ça a pas servi pour ce premier épisode, ça n'a rien changé. Donc je suis désolé, hein, je sais pas quand on aura les Pokéballs. Je pense qu'on les aura au prochain épisode, à mon avis, ils ont pas non plus mis les Pokéballs quand t'arrives à la ligue Pokémon. Donc on verra. Ouais. Bon, moi bon, je vais continuer de faire gros yeux. Ouais, fais-moi charge. Voilà, très bien. Maintenant, on va faire Griffe. Et s'il est pas KO, eh ben, je m'appelle plus Cacao. Ça tombe bien, je me suis jamais appelé Cacao. Voilà, Griffe. Et voilà, et ben enfin. Et voilà, c'est dingue ça. Trainer Max, casse-toi maintenant, je t'ai assez vu. Lui m'a battu deux fois, j'ai bien le droit d'être en colère contre lui. Ah, tu me donnes un Pokénav. C'est gentil. Facile à utiliser, d'accord. Désolé de t'avoir dérangé, tu m'as battu deux fois, non, je t'excuse pas. Tyron Map. Ouais, c'est bien la même map que dans le centre Pokémon. Devon Président. Ah, j'ai déjà le président de Devon. Est-ce qu'on arrive dans une nouvelle ville? Ah non, c'est l'arène, ça tombe bien, je voulais pas y aller. Ah, non, je suis pas très chaud pour une arène, là, tu vois. Ah là là, Pokéball. Pokéball, n'importe quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'était surtout un épisode début, hein, il s'est pas passé grand-chose, c'est normal, je suis désolé. On va se laisser là pour aujourd'hui, hein, on se retrouvera pour le second épisode de la série sur Pokémon Victory Fire en monotype feu. Voilà, j'espère qu'on aura les Pokéballs dans le prochain épisode et on verra, hein, on verra. Bon, ben, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Est-ce que j'ai sauvegardé? Non, on va sauvegarder avant que je fasse des bêtises. Je vous dis à bientôt tout le monde, salut salut.